Attention papa, ça qui a passé la Tibonite comme ça. Environ 5 personnes déjà perdu la vie dans le lien coup, mesdames, messieurs. Situation vraiment difficile et compliquée. L'autre bon ça, on va bon en pile détail. Si gouvernement pas prêt ça qui a privé dans la Tibonite là en charge. Si gouvernement pas prêt ça qui a privé la Tibonite là à cœur, mesdames, messieurs, me garantis ou pita à vin pitris. Zone ça a fin abandonné net. C'est bandit ak gros am fan fwa qui achète l'argent content. Situation panique, yo continue à pas souffler dans zone la Tibonite, mesdames, messieurs. Eh bien, nous demandons pour l'État, pour responsabilité, pressé pour éviter toute qualité dérive. Yo l'autre bon, mesdames, messieurs, selon un pile information, Jerry Lecoq. Monsieur Mouri. Dans un premier temps, élément d'information qui devine de nous, c'est ça l'idée parce que monsieur eh bien lui-même il était prêt balle vrai et dans plusieurs photos nous joignent monsieur gain un gros tout d'air cool qui c'est cartouche monsieur prend mais malheureusement eh bien monsieur pas mourir vrai et nous te ba information nous te dit monsieur mourir parce que tout ça qui te vienne jeune c'était l'an mort Jerry Lecoq. En tout cas bon commencer avec la Tibonite. Selon tout dernier détail yo dans le cours, il y a environ 5 personnes qui perdent la vie. Attendez bien. 5 personnes, ça y est, mesdames, messieurs, c'est 5 personnes, selon information, qui va rien en rien pour à causer banditisme. Mais c'est Negazam qui t'a tué, ça y est. Nous allons chercher plus de détails pour vous. Selon information, nous jouons, Negio descend le cours. Rive nèg yo rive lien kou, nèg yo te a bon yo machine. Sans réfléchir, nèg yo dégainer balle sou moun. Après nèg yo fin dégainer balle sou moun konya la, moun prend balle, moun tombe, moun courir, etc. Même nèg sa ou encore yo prend yon moun, yo aller avec. Ça veut dire, l'analyse que j'ai fait, on dirait que nèg yo c'est un moun yo te vin chercher. Et t'as donné là, on vient chercher mon nom, y'a ou pas qu'à aller, comme ça, ou pas faire action, n'est y'a touye, on paquet l'autre monde. N'est pas 5 moun là, prend balle, mourir, dans l'yon coup. Gagne qui l'hôpital là, jusqu'à présent, y'a entre la vie et la mort. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, l'état en place là, quitter bandit, exam, acheter zone ça ou l'argent content. Et kidnapping n'a retourné red, de premier jusqu'à jeudi en là. Il y a environ 7 cas de kidnapping qui ont résisté dans la région métropolitaine. Alors que les mouvements Bois-Calé ont été en vogue, attendez bien, les mouvements Bois-Calé ont été en vogue, tu as gagné 0 cas de kidnapping qui ont enregistré. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, crise n'a pas vu aujourd'hui là. Eh bien, c'est le peuple qui a retiré la tête et la donne. Environ 7 cas kidnapping, mesdames, messieurs, yo enregistré dans la région métropolitaine. 7 cas de kidnapping, de premier jusqu'à jeudi 14 là. Eh bien, à cause de Bois-Calé qui faibli, yo reprenne terrain. N'ayez yo repren terrain correctement ou commence à touye moun tout partout. Fait ça ou vle. En tout cas. Mesdames, messieurs, selon information, il y a l'autre structure politique qui dit yo. Et n'ayez yo te ba yon conférence de presse, yo frappe PM Ariel Henry Fort. C'est toujours même figure. Même nèg sa yo, c'est yo qui te nan André Michel, c'est yo qui te Jean Binan Nenel Kassi, c'est yo qui te nan Rika Pierre, c'est yo qui continue à monter parti politique. Pour faire politique. En tout cas, politique en Haïti, l'aide en pile. Pour faire son paquet, nous faisons un d'aide ensemble. Je salue la presse, parler, écrit et télévisé. Et tous nos camarades qui sont en assistance là, qui viennent participer à la première conférence que l'organe de mobilisation a fait aujourd'hui. Nous-mêmes, au niveau organe, et j'aime toujours dire avec la population haïtienne, non? De 1930 à 2017, pour ensemble des gouvernements que nous connaissons dans le pays d'Haïti, qui étaient provisoires, intérimaires,
gouvernement légitime, dictatorial, nous connaissons tous, nous connaissons tous ensemble tout type de gouvernement. Mais tout ça que je sortis de là, yo, gouvernement légitime, nous tous connaissons un gouvernement qui sortit dans l'élection. À part de l'autre, yo, nous tous connaissons, mais chaque grain de monde ça, yo, dans tout gouvernement que nous connaissons, de 1930 à 2017, sont ensemble des monde. Si yo pas sorti dans l'élection, yo sorti en dans institution. Soit sorti dans l'armée, c'est militaire qui mettait une commission présidentielle, soit ils sorti dans la cour de cassation. Je dis à nous-mêmes, au niveau organe de mobilisation nationale, là, et nous rappeler ça avec la population, hein, c'est ça que nous disons, marquer ça. Ariel Henry qui là, nous dit de 2021 à aujourd'hui, nous avons un terrorisme d'État. C'est un terrorisme d'État parce que le groupe qui là sont un groupe terroriste qui prend l'État en otage, qui prend la population en otage. Parce que aujourd'hui, nous n'avons nous là, pas qu'à dire dans quelle institution que Ariel sorti pour la côté de nous. Pas qu'à dire si nous sorti dans l'élection, ni tout nous pas qu'à dire si tout est sorti dans une institution pour venir là. Précisez-le pour nous, je vais préciser encore. Depuis 1930 à 2017, quel que soit le monde qui vient là, comme président, s'il passe sorti dans l'élection, il sorti dans une institution. Soit élection ou institution. Je dis là, nous tous nous connaissons que à partir des gouvernements qui sont en place là, que nous disons groupe terroriste, qui a terrorisé la population, en dehors des taxes légales que les citoyens ont pu payer, soit descendre des GI, aller la mairie ou ensemble des côtés qui ont taxes légales mal payées. Mais groupe criminel ça, ils ont fini par mettre ensemble des postes sous pourcentage qu'il y a bien dans les nègres armés, dans la rue, dans la zone côté au météo. Quel que soit pour ton citoyen pour aller ou du groupe, ils ont payé droit de passage. Mais groupe terroriste ça, il n'est pas fini par camper là. Nous tous nous connaissons ensemble des massacres pendant 24 mois. C'est une bagarre qui me dit. Et faut que nous laissions regarder. Haïti, pendant 24 mois de gouvernance Ariel Henry, il y a plus de victimes que des pays qui ont participé ni dans la première ni la deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire Haïti plus de victimes qu'ensemble des pays qui ont participé dans ni la première ni la deuxième guerre mondiale. Nous tous nous connaissons la quantité de kidnapping qui a fait dans la vie. Nous tous nous connaissons, d'après le rapport des Nations Unies, qui quantité de citoyens. Les familles qui quittent la CAIO à partir du premier trimestre année 2023. Parce que vous avez 600 000 familles. L'autre après 600 000 familles, ou t'as fait moyenne, pas 4 personnes par famille, ou pour regarder ou bien environ 2 400 000 qui quittent la CAIO depuis le premier trimestre année 2023 pour que les bandits mettent au lieu. Sans nous pas même besoin de contrôler la quantité de monde qui massacre, qui ont brûlé dans la rue. Et je dis, nous même au niveau organe de mobilisation, c'est ça que fait. On a demandé avec la population haïtienne. D'ailleurs, camarade Serge, sont montré nous. Quelle différence qu'il y a entre nouveau passeport avec ancien passeport que nous avons gagné. Et je dis après chance ça, que ensemble des monde est capable de joindre, même si marchand yo qui ont privilège de venir retirer dans meilleur, elle dit sans visa. Depuis qu'on gagne passeport dans mon ensemble des côtés là dans Caraïbes là pour aller. Il m'a précisé pour nous. CARICOM, il y a 15 pays là-dedans. 14 pays, 8 d'accord, seulement Haïti qui va là-dedans. 15 pays, dans CARICOM, c'est Haïti qui dehors là-dedans comme 15e pays. Et c'est le premier ministre Ariel Henry qui retire Haïti là-dedans. Pour ça, il dit Haïti n'a pas réuni conditions. Pendant 24 mois, on est là, c'est lui-même qui a fait gestion pays. Même là, nous tous connaissons une gestion catastrophique, mais c'est lui-même encore qui a le campé. Devant la communauté caribéenne pour dire que Haïti, pour le moment ça, Haïti n'a pas qu'à participer à nos programmes pour ça. Pour ça, parce que il y a un problème d'insécurité dans le pays d'Haïti. Il y a un problème de turbulence politique dans le pays d'Haïti. Mais ça finit que nous-mêmes pour nous dire que je dis à son ensemble de théories, je dis là, son ensemble de voyous avec délinquants, que nous-mêmes nous remettons à nous, à nos familles, à nos amis, à nos petites nous. Je dis à qui tous les journalistes qui ont sa secteur côté. Et nous connaissons. Il y a plus de journalistes qui sont victimes pendant 24 mois qui ont fait un anti-Ukraine avec la Russie. Ça veut dire, je dis, nous-mêmes,
nous soit le secteur coréen. 24 juillet, c'est le meilleur moment. 20 juillet, c'est le meilleur moment. Donc c'est le meilleur jour pour nous tous aller pendant 24 mois ça, sans nous pas contrôler les quantités de massacres qui fait dans le pays. Sans nous pas contrôler les quantités de journalistes qui arrivent à l'assassiner. Sans nous pas contrôler les quantités de police qui arrivent à l'assassiner. Sans nous pas contrôler les quantités de monde qui arrivent aujourd'hui à craser toute entreprise. Entreprise qui n'est pas fermée, elle réduit le personnel à 10-15%. Ça veut dire que les gens qui ont travaillé, aujourd'hui, la majorité de la travaille. Dans le marché criminel que l'État ça pendant 24 ans, organisé sur des croix, ils ont quitté une petite machine et écrasé le gaz. Et aujourd'hui, nous tous connaissons. Baril pétrole là qui t'a vendu à $175 sur le marché international. Aujourd'hui, il descend à $64, $60 sur le marché. Et aujourd'hui, l'État ici lui-même qui démonte le gaz. Mais on est jusqu'à présent qui est bien le même temps. Et on te dit nous, je vais monter le gaz là, c'est pour faire l'hôpital, pour faire l'école, pour faire ensemble des bagages dans le pays. Jusqu'à présent, personne pas qu'à qui côté l'État a fait même un marché escalier. La rue à salle, tout côté c'est insécurité, la police pas renforcée, l'armée pas pagée, rien que l'État fait. Pour me finir, je vais dire nous, pendant 24 mois, Ariel a gagné plus de 3 budgets qui passent dans le même temps, 3 budgets qui plus passé 494 milliards de gouttes dans le même. Il n'a pas payé l'employé de l'État, il n'a pas payé même institution qui a un contrat avec l'État. Vous voyez que je dis, responsabilité nous comme citoyens, c'est lever pour nous camper, pour nous démasquer l'équipe ça qui là. C'est prendre responsabilité. Parce que je dis toujours, l'on groupe de monde dans la dirige, ils font bonne gouvernance, la bonne ni pour moi, ni pour la génération. Ils font échec pour échec là pour nous, tout cap vivant dans la société, ils peuvent même faire, ils peuvent même répéter sous petit nous cap venir après. Merci. Donc. Et une nouvelle fois dans la bataille politique, dans la bataille démocratique là. Qui chante pour accroître les haïtiens dans la bataille qui a fait la journée. Nous sommes d'accord pour nous mettre sous pied en instance qui remet organe mobilisation nationale, qui est même composé dans une entité politique et organisation populaire, organisation progressiste, qui est même conscient pour que le pays arrive là. Il va nous arriver là. Nous créons un organe de mobilisation nationale. Qu'on y a quelle mission? Organe de mobilisation nationale. Mission principale, c'est prendre contact avec toute entité politique à l'échelle nationale qui croit fermement au pays pour Haïti. Dans ça, la vie la chantier. Pas capable de mobilisation qu'on fait, mobilisation citoyenne, mobilisation populaire. Il y a eu un contact avec différentes entités, personnalités, pour planifier, organiser, réaliser, réfléchir sur différents aspects qui j'en voulons réussir mobilisation. Et évidemment, mobilisation qui chita sur des objectifs clairement définis. Ces missions organisation. Mais, pas bien, les gens qui sont sur la table là, c'est des dirigeants politiques. Pour implémenter la mission, ça veut dire pour matérialiser la mission, assemblée, 8JR, destinée organisant à 7 personnalités, vous souvenez, 7 membres. Je vais commencer à gauche. À gauche, mes camarades, Wilma Caldillo. Camarade Yvan de Joseph. À droite, camarade Didier Milel. À gauche, à droite, Ousset Delon. Et votre serviteur Serge Jambi. Et malheureusement, il y a deux camarades qui viennent de contraindre. Camarade Lewis et camarade Pierre-Marie aussi, qui ont inconvénient ou pas présent. Alors, c'est Mounsaïo qui vient. Pour mener destiné organe. Jean Lantia, il y a une seule mission pour planifier, organiser la mobilisation. Organe de mobilisation nationale, là, pas en l'autre parti politique, ni pas en l'autre groupement politique, ni pas en l'autre groupement politique. Ni pas en l'autre accord politique, ni pas en accord. Donc, c'est ça la question. Qu'on y est. Puisque nous prenons ce contexte difficile pour Haïti, c'est un moment difficile.
pour nous fixer position au Ghana sous situation sociopolitique là qui est dominée par 24 mois d'échec exécutif monocéphale que Ariel Henry a dirigé. Alors 24 mois, c'est 24 mois d'échec, je l'ai dit, c'est 24 mois souffrance, c'est 24 mois douleur, c'est 24 mois côté premier ministre au gouvernement là, pas prendre aucune décision soulevée, aucune décision allée dans le sens intérêt population. Au contraire, toute décision au plan, c'est une décision qui détruit la population. Peuple a pourri la saline, il va dire. Peuple a pourri souffrant, la plaine, il va dire. Peuple a perdu le territoire d'abord, il va dire. Peuple a pourri, et on te dit, la saline, ou bien, Matisse, tout partout, la Timothée de la Caïmoué, l'Isler, la Croix-Périsse, Savien, Verret, la Chapelle, pour sauter. Pas dit un. Si il n'y a pas aucune décision pour la population. Au contraire, dans ce sens, il va prendre une décision en faveur de la population, c'est une décision contre la population. Et nous profiter des conférences de presse pour nous dénoncer une décision premier ministre Ariel Henry pour un dernier sommet. Trinidad et Tobago, pour te, bon, en tant que jouer entre tout pays caribéen, pour qu'on accord qui jouer, faciliter voyage entre citoyens, citoyennes et tout pays membre et caribéen. Dans l'assemblée, ça, tout pays est d'accord. Fort. Citoyens échanger entre eux-mêmes, voyager dans le pays en l'autre, sans y avoir besoin de visa. Tant que ça passait dans tout le pays de l'Union européenne, tant que ça passait dans le paquet de pays en Afrique, ou bien ministre, Ariel Henry, une décision, il dit Haïti pour vos prêts, pour l'entrée dans des machins, condition n'ont pas pour nous remplir. Nous estimons son bagage grave qui vivait là. Donc, pour tester contre lui, nous dénoncer et nous qualifier le premier ministre là, son premier ministre. C'est un traître à la patrie. Et il me dit non, le bagage. Oui, ceci. On sait bien évidemment, au premier ministre actuel, j'ai une condition que l'on connaît, je vais avoir une légitimité de bagage. Mais c'est lui là, pour défendre l'intérêt supérieur de l'IA. Il a pris une décision, ça. Monsieur dit Haïti pour remplir les conditions pour l'entrer dans la bagarre. Et ça, c'est plus grave là. Son ministre des Affaires étrangères, qui sont si on a, comme qui dirait, pour le démentir là, notre mission a confirmé décision premier ministre là. Il va le dire dans des bagarres. Par contre, si nous connaissons déjà, alors, si nous regardons le passeport, ça, nouveau passeport, c'est des passeports qui marquent communauté caraïbéenne. Ça veut dire que nous avons des marches là déjà. C'est ça. Nous sommes péchés. Les pays ont bénéficié de ces privilèges. Regardez l'ancien passeport. Non, c'est passeport. République d'Haïti. Donc, passeport ça, c'est passeport. Communauté caraïbe. Donc, nous dénonçons, par ça, ils nous ont des chefs de pays. Levez debout, campez debout. 20 juillet 2023, nous demandons des populations à aller devant la résidence officielle du premier ministre. 20 juillet, c'est d'après ce que vous avez investi, c'est consacré comme premier ministre. 20 juillet 2023, après monsieur, 24 mois, c'est 24 mois d'échec, 24 mois de souffrance, 24 mois de douleur. Sous ça, nous demandons population 10 heures, depuis 10 heures le matin. Rendez-vous à Cassé, devant résidence officielle, premier ministre. Je vais passer, camarade Bédel, la parole.
Jeudi à ce vendredi, c'est week-end. Bon week-end tout le monde. Fait un pile prudence dans la rue. Si vous prenez bouteille, pas prenez volant. Si vous prenez volant tout, nous déconseillons prendre bouteille. C'est toujours une meilleure façon capable de protéger tes tout. Dans Haïti, chargé piquakouena. Qui fragile chaque jour. Pi plus. Nous aimons un pile, nous chapi. Si des chances n'a croisé encore, mais c'est si n'est gros âme fin de fois, prêtez-nous, t'y cale la vie, dans la rue Port-au-Prince, parce que c'est au seulement qu'a commandé.